Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de VST Plugins, donc c'est Essential Keyboard Collection par Sonyvox. Donc c'est un excellent petit plugins de piano et on peut le trouver sur Boutique Plugin. En ce moment, il est à 99,42€, au lieu de 200€, donc il est en promotion. À l'intérieur, quand vous allez charger votre interface, vous allez avoir accès à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 différents types de claviers qui vont des années 60 jusqu'aux années 80. Donc il y a des pianos Steinway, le Pride Piano, le Yamaha, des Rhodes, Wurlitzer, des Pianets, Harpiscord, Toy Piano, Clavinet, Harmonium, Tonewell Organ et Church Organ. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail dans Reason. Hop. Donc là, une fois que vous avez installé votre logiciel en lui indiquant bien sûr l'endroit où vous avez vos VST instruments, vous allez avoir un onglet Sonyvox qui va apparaître et à l'intérieur, vous aurez Essential Keyboard Collection. Donc moi, j'ai différents types de plugins de chez Sonyvox. On verra ça par la suite. Je vais faire des tutoriels sur un peu tout ça. Et donc là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être l'Essential Keyboard Collection. Donc, dès que vous ouvrez, vous tombez sur le Steinway, c'est le premier preset. Donc, le premier onglet, ça va vous donner accès aux différents types, donc aux 12 types de claviers. Et en dessous, vous allez avoir accès aux différents presets que vous pouvez avoir pour chaque piano. Donc là, par exemple, on a le Steinway Grand Piano. Avec un réglage pour la réponse dynamique, un réglage pour le sustain résonance et un petit equalizer basse, middle et aigu, treble. Donc voilà. Si on prend après le suivant, hop, le Yamaha Grand Piano. On a aussi une petite reverb ici avec des presets qu'on peut changer. Donc si j'augmente la reverb par exemple. J'ai préparé des petits presets MIDI. La qualité sonore est quand même relativement bonne. Après, on peut changer piano rock. Ensuite, si on prend le Pride, donc l'interface va changer aussi, voilà. Au niveau des pianos, toujours à peu près les mêmes réglages. Hop.
Après, on va passer au ROTS, donc marque 1. Donc là, on a un peu plus de réglage, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de régler la modulation. Là on a un réglage donc pour le cabinet pour le coffre on va dire. Ensuite on a un réglage donc pour la réponse dynamique, un réglage basse et aiguë et la distorsion, plus si on veut rajouter du chorus, phaser ou trémolo. Pareil, hein, on a différents réglages. Ensuite, on a le Mark II. Hop, l'interface change encore. Donc les sons sont quand même relativement bons, c'est un bon petit plugin. Ensuite on a le Wurlitzer. Voilà. Donc après, on a le pianet. Voilà. Donc pareil, hein, avec différents réglages. Ensuite, on va avoir Harpischkord. Donc là, comme vous pouvez voir, l'interface de réglage a changé, hein. Donc on a un réglage basse, médium, aigu et ensuite différents modèles.
Après, on passe au Toy Piano. Ensuite, on a Céleste. Ensuite, on a un petit clavinet. Hop, je me remets au début. Donc là, au niveau effet, on a un wah-wah et un overdrive. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là, après, harmonium. Donc là, c'est vraiment à l'ancienne, hein. Ensuite, on part dans les orgues. Donc les orgues, il y a possibilité de régler une sorte de cabine Leslie. Après, on a la possibilité de rajouter de l'overdrive. C'est vraiment vraiment pas mal. Et enfin, donc avec toujours pareil,
un bon paquet de presets. Et enfin, on a les orgues d'église. Peut-être mettre ce preset là. Donc là, en plus du réglage basse, médium, aigu, on a un low pass filter. Donc voilà pour cette petite présentation de Essential Keyboard Collection. Donc j'avais préparé, histoire de voir aussi ce que ça peut donner avec d'autres instruments, j'ai commencé à préparer un petit morceau, une petite boucle. Donc je vais le charger, on va voir ce que ça donne. Je vais fermer celui-ci. Hop. Donc là, tout est chargé. Alors en fait, je vais présenter un peu ce que j'ai fait. Hop, hop, hop. Donc j'ai chargé VIP. Voilà, avec Essential Keyboard en mettant un preset de Celeste. Au niveau du son, ça va nous donner quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai ma batterie qui va partir un sur un Kong. Ensuite, j'ai mis des choirs, donc des voix de femmes. Dont un avec un trigger gate. Et enfin, une petite basse du pack Reason Electric Bass. En fait, j'ai mis VIP avec mon plugin Essential Keyboard Collection et j'ai activé le. Alors attendez, hop, hop, voilà, progression. Et donc j'ai activé la progression d'accord en mettant le preset balade piano numéro 7 et j'ai créé un strum. Donc hier, on a vu le module ST100 qui faisait des strums. Et là, j'ai créé un strum à partir directement de VIP sur
l'essentiel keyboard. C'est une autre façon, hein, pour ceux qui ne peuvent pas prendre le rack extension d'hier, on peut très bien passer par là et faire comme ça avec directement VIP. Donc voilà pour cette petite présentation de Essential Keyboard Collection de Sonyvox. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plugin c'est en promotion à 99,42 €. Bon, ça fait quand même une somme, hein, 100 €. Mais en temps normal, il en vaut 200. Et en même temps, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que ça vaut le coup d'investir pour ceux qui cherchent un plugin avec différents claviers, que ce soit des pianos comme des claviers à l'ancienne. Ça fait une excellente base. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour les ABC du beatmaking. Et pensez bien à récupérer les différents packs de téléchargement qu'il y a en téléchargement. Les liens sont sous la vidéo. Faites tourner l'adresse de la chaîne. Que la communauté s'agrandisse et puis à bientôt et bonne fin de journée. Salut!